Alors, vous voyez là, c'est mon personnage, je peux sauter. Alors là, avec R1 et L1, je m'appelle GG. J'ai 7 ans et demi. Alors là, je vais commencer. Je vais vous expliquer comment on commence une partie à Terraria. Alors pour commencer, vous choisissez votre personnage. Après, avec des gâchettes, avec une gâchette, tu peux creuser. Par exemple, là sur la carte, avec L1 et R1, vous pouvez changer vos trucs, vos armes. Après, il faut prendre une touche pour creuser. Par exemple, là je suis en train de creuser et les mots qui s'apparaissent, c'est ce que je cueille. Là par exemple, j'ai cueilli 3 minerais de fer. Après, là, Y, c'est pour tu regardes dans ton inventaire. J'ai creusé 6 minerais de fer. Là, 3 pierres, 35 blocs de terre, 2 champignons et mes armes. Après, B pour arrêter. Ah. Après, là, vous voyez, c'est un slime d'origine Noël parce que là, c'est bientôt Noël. Alors là, vous voyez, j'ai ramassé des affaires. Là, je vais venir Jeff, c'est le nom de mon habitant, c'est écrit en bas. Là, par exemple, je vais cueillir tous mes champignons. Là, il y a une petite rangée de champignons, je cueille. Oh, là, vu qu'il y a des arbres, on peut que couper avec la hache. Et c'est pareil, c'est la même gâchette. Et là, j'attends. Quand vous cueillez un arbre, ça vous donne soit des glands et des trucs en bois. Alors là, je vais creuser avec ma pioche. Là, le minerai orange, c'est du cuir. Là, le petit nombre qui apparaît entre guillemets, c'est le nombre que j'ai cueilli. Là, j'en ai oublié un. Et vous voyez, là-haut, c'est là où j'ai cueilli 11 petits trucs. Là, je peux les placer n'importe où. Mais c'est pour se faire des objets. Puis, là, il y a un coffre. Là, d'abord, je vais attaquer le slime qui m'embête. Là, il faut faire B sur le coffre. Ah, j'ai ramassé des lacets, 5 grenades, 7 lingots de fer, 4 potions et une potion de vision nocturne. Là, je fais ici, je prends tout. Là, après, je prends ma pioche et je creuse avec la gâchette. Là, je vais essayer de remonter avec mes 53 petits blocs de terre. Et là, je suis parti pour explorer. Je vais explorer. Alors, pour une maison, on fait des maisons pour que la nuit, on se fasse pas attaquer par des ennemis. Parce qu'il y aura des zombies, c'est la nuit. Après, là, je vais creuser des blocs de pierre. Je creuse des blocs de pierre là pour me faire une maison. Puis, après, quand j'aurai déjà creusé tout ça, ben, je vais construire ma maison. Faut trouver un endroit plat. Par exemple, là, vous voyez, là, je suis dans la pagaille. Là, je vais essayer de remonter. Attends. Vous voyez, là, je suis en train de parcourir le monde pour retrouver mon habitant Jeff. Là, je vais couper tous les arbres.
pour qu'il y ait de la place dans ma maison. Et là, vu que j'ai tué un slime comme ça, ben j'ai un autre papillon. Mais moi, je vais faire ça. Je vais enlever mon autre papillon. Là, je l'ai viré. Et je l'ai repris. Ah non. Là, pour l'instant, je suis en train de construire ma maison. Je sais qu'elle est petite. Il faut monter 3 cases pour regarder l'emplacement de la porte. Par exemple, là, je vais dans mes objets. Une porte, il faut quoi? Il faut 6 trucs et il faut un établi. Là, je me fais attaquer par un slime. Alors, pour faire l'établi, il faut d'abord aussi regarder dans ces objets. Je fais. Après, je le prends. Je le mets là-haut. Je le mets ici. Alors là, je me mets devant l'établi. Je prends ça. Pour y aller plus vite, je vais de là à là. Et je prends ma porte. Puis après, je vais prendre. Tac. 1 et 2. Je vais mettre mes deux là. Mon coffre ici. Et ma table ici. Là, je vais tout placer pour que je fasse ma maison. Là, par exemple. Là, par exemple, je fais ça. Mon établi est déjà là-haut. Je le place ici. Puis, là, je vais en haut de ma maison. Je vais là. Le mien, par exemple, là, je vais prendre 3 tours. Là, je vais faire B. Je vais le mettre. De pétage. Je vais le mettre ici. Après, là. Attends, là je suis devant mon établi. Avec les gâchettes, je peux bouger. Là, je vais. Là, il faut. Le coin, là, je vais creuser ma table parce qu'elle sert à rien. Mon établi, je vais le mettre ici. Je vais faire mes lingots ici. Il faut 8, 9, 12. Je vais faire le plaquage. Là, je vais faire le plaquage. Par exemple, là, j'en prends jusqu'à ce que je ne peux plus. Et là, je vais dans mon inventaire, j'en ai eu 84. Je vais les mettre à la place des glands et je vais les mettre au fond de ma maison. Là, par exemple, je suis en train de fabriquer ma maison. Je suis en train de mettre le plaquage. Et ça sert. Ça sert à. Là, par exemple, vu que j'ai le plaquage, je peux les mettre comme ça. Là, après. Et voilà, j'ai terminé ma maison. Si vous voulez savoir la suite, à la prochaine fois.